Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve un peu pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors, c'est pas le coffret Kourou Singe aujourd'hui. J'ai une très bonne offre à faire, on peut dire ça comme ça. Alors, vous allez me dire, putain, qu'est-ce qu'il fait? Il rouvre encore du Evolution Paldea, du EV1. Mais, alors oui, je vais en ouvrir. Mais, il y a un très bon plan en ce moment. Ça se passe chez Smith Toys. C'est 1, 2, 3, chez Smith Toys. Pour deux boosters achetés, on en a un troisième offert. Donc c'est quand même plutôt pas mal, on va dire. Alors sur toutes les extensions, donc par exemple dans votre Smith Toys, s'il y a du Tempête Argentée ou s'il y a d'autres extensions en booster blister, ça marche aussi dessus. Là, il y avait du EV1 et du EV2. Donc moi, j'ai pris, il n'y avait plus de EV2. Donc, enfin, il y avait plus que 7 boosters EV2 et le reste, j'ai pris en EV1. Donc, j'en ai 9 en tout. Donc j'en ai payé 6 pour en avoir 9. Donc voilà, ça fait du 4€ le booster, c'est vraiment pas cher. Pour des séries récentes, c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'en ai profité, j'ai pris aussi cette grosse carte jumbo de Baoijian, qui est très sympa. Alors malheureusement, l'offre ne marche pas, des 25€ d'achat avec cette offre-là. En gros, vu que c'est deux offres différées, ça ne marche pas. Alors, je vous fais cette vidéo à ce moment-là. Là, on est le samedi 5 août. Je vous la sortirai pour le dimanche 10 août. Alors, 6 août. Tardez pas trop parce que quand même l'offre retient jusqu'au 10 août, pardon. C'est plutôt pas mal franchement faire ça. Je pense qu'ils écoulent leur stock avant de recevoir V3. C'est peut-être une solution qu'ils font. Et puis voilà. Bon, bah maintenant on est parti pour ouvrir ça. On va essayer de voir si on a quelque chose. Ce serait bien. Ce serait pas mal d'avoir des drops dans les deux séries. Ce serait bien. Allez, let's go. Et bien voilà, je vous ai absolument tout déballé. Donc les 9 boosters sont là. Pour ceux qui sont sur Nantes, je suis allé à celui de Saint-Sébastien-sur-Loire. Donc Saint-Sébastien-sur-Loire, ils ont plus que du EV1. EV2, ils en avaient plus en stock. Enfin, c'était les derniers que j'ai pris, il n'y en avait plus que 7. Et ceux de Orvault, je crois qu'il me semble qu'il y en avait encore plein. Allez, on est parti avec un petit Deden. Pomme de pique, Flotillon, Chochodil, Lestombel, Hypnomade, Terrain de plage, Caninos, Mustéboué. Et une holo avec Motorizard. Du coup, là, celle-ci, elle sortira dimanche. Je vais vous mettre pour mercredi prochain, je pense, le nouveau coffret Kourou Singe. On va faire une petite vidéo en plus. Comme ça, ce sera pas mal. Parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux trucs qui arrivent avec EV3 et tout. Donc, ça fait pas mal de vidéos. Allez, panier de pique-nique. Scalproie. Piétacé. Et rien du tout, un petit oui messire. Je fais vraiment cette vidéo pour vous présenter l'offre. Parce que si je ne pack encore rien du tout dedans, enfin, dans un sens, ça ne m'étonne pas. Dans un autre, ça m'embête un petit peu quand même. Bon, je ne vais pas vous le cacher. Allez, Mini-Ange, Magnéti, Hexadron, Apitrinier, Brésillon, Coatox, Gouroutan, Rocabo, Pomme et une holo avec Glevodo. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui ont trouvé du EV3. Je vais pas vous le cacher que moi, EV3, je me suis pas du tout penché sur l'affaire. J'ai vu que ça a drop chez Jouet Club, de ce que j'ai vu. Je suis pas allé voir à celui de Nantes. Voilà, je vais le dire, hein, j'ai clairement pas eu le temps. Nemelios, oh, une rare reverse avec un Pomarmot et Dimoré. Je suis pas allé voir ouais, à celui de Nantes. Peut-être qu'ils ont reçu, peut-être qu'ils ont pas reçu. Et puis clairement, je vais pas me presser pour cette série. Je pensais avoir peut-être le TB une semaine en avance, mais malheureusement, de ce que j'ai su, c'était pas possible. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave. On profitera de la série. Il y a peut-être, j'ai vu, alors je vais le dire, hein, c'est Kibiki. Toujours rien. Et toujours rien. Kibiki qui a eu une pelletée de drac au feu là dans ses displays. Alors, est-ce que les drac au feu auraient un taux de drop super élevé? Ce serait bien. Comme ça, ils pourraient tomber énormément. Moi, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est celui qui est gris là en mode majestueux à moitié. Je le trouve magnifique. Les autres, je les trouve tous dégueulasses. Allez, Sagarou. Germéclat. Oh la vache, mal à l'âme. Il nous reste 3 boosters. On vient d'ouvrir 6 boosters. On a eu absolument rien du tout dedans. Allez, on continue. Et on est parti avec un Pikachu, Charibari, Cradopo, Mini-Ange, Sensua, Tauros de Paldea, Studo d'entraînement, Virovant, Magirev. Et encore une holo avec Horde du Boss. Ouais. Ouais, y a rien du tout. Y a rien du tout. C'est rien de packer un truc quand même. Hein. Salutin, Lilithrel, Mini-Ange. Voilà pourquoi je veux pas trop faire d'ouverture.
Charibari, un reverse avec Bizarroi et une holo de Plumeline. C'est dingue. Voilà pourquoi je veux pas trop faire ce genre de truc. Y a rien du tout à chaque fois. Y a que dalle. Mais quand je dis que dalle, c'est même pas un truc, même pas une carte ex, que dalle. Rien. Walou, rien du tout. Rien. Y a vraiment R. Y a rien du tout. Charbonbin, Cornet, Feuforet, Farfuret, Tauros de Paldea, Stud d'entraînement, Matourjon, Groutan et Forgerette. Et rien du tout. Voilà, c'est carré. Y a absolument rien du tout. Je viens littéralement d'ouvrir 40 balles de cartes pour avoir que des holos. Voilà, je viens d'ouvrir tout ça là. Tout ça, vous voyez, tout ça pour que des holos. Voilà, c'était Pokémon. Merci, merci beaucoup. C'est quand même impressionnant. Hein. Heureusement que c'était une offre. Hein, que pour, en fait, pour les 6 boosters, les 9 boosters, j'en ai eu pour 36 euros. Et en temps normal, je devrais en avoir pour 54 et quelques euros. Heureusement que ça ne m'a pas coûté trop cher. Hein, parce que, regardez, 9 boosters, rien du tout. Rien du tout. Il n'y a même pas une ex, que dalle. C'est impressionnant. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas un minimum de taux de drop quand même. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas choisi les bons boosters. J'en sais rien, mais... pas qu'il y ait que des holos. Franchement, c'est dépitant. C'est vraiment... Je pensais avoir un peu de chance, mais... Et non. Du coup, là, l'évolution à Paldea, je suis rendu à 92 boosters. Alors, les taux de drop, c'est clairement pas ça. Hein, voilà. 92 boosters pour avoir tout ça, vaut mieux acheter des cartes limitées. Et je pense que énormément de gens vous le disent. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'était voilà, pour vous présenter le bon plan du moment. Du coup, n'hésitez pas à y aller parce que du coup, c'est jusqu'à jeudi prochain. Je vais vous mettre ça dès dimanche. Et puis, bah voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite. J'ai passé mes précommandes pour EV3.5 avec les Ultra Premium et tout. Donc, tout ça, j'aurai. D'ailleurs, je vous ai leak aussi, je vous ai mis ça dans l'onglet communauté. Ouais, on va reprendre un peu la série. Le nouveau coffret Dracofeu qui sortira. On n'a pas eu l'annonce encore qui sortira en français, c'est le visuel peut-être anglais, peut-être que le visuel français sera pas exactement le même. C'est un peu comme les coffrets premium Pyroli, Acoli et Voltali. C'était pas les mêmes visuels entre le français et l'anglais, il y avait quelques différences. Mais bon, voilà. Ce coffret, je sais plus, je crois que c'est ici en octobre, je crois, il me semble, qu'il sortira. Donc, on verra bien. Hein. Le Dracofeu, c'est pas le plus beau Dracofeu. Du Dracofeu Terra Crystal, ils vont en faire à foison maintenant, hein, maintenant qu'ils ont découvert leur nouveau truc. Mais bon, on prend quand même. Hein. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais profiter vraiment du truc. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, salut !